Master. Get ready for Pity City! We're the Nasty Boys, we got a bad reputation. When you see the nasties coming, better change your direction. Everybody talks, but we know talk is cheap. If you mess with the boys, we'll rearrange your teeth. We're the boys, we're the boys, we're the Nasty Boys. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte, TJ Holiday. Comment ça va, mon beau garçon? Ça va quand même bien. Oui, t'as une voix, on dirait que t'as sorti toute la nuit avec des gars qu'on va faire leur biographie aujourd'hui. Non, mais ça va être intéressant, surtout en 2023, là. Mais non, encore under the weather en anglais, comme tu dis. Lâche pas, l'hiver est fini, mais oublie pas, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Pas de danger, parce que j'ai plus qu'un fil. Parfait. OK, parfait. J'aime ça. Aujourd'hui, ben, on va être nasty, on va être boys, on va être nasty boys. La meilleure fois que tu as pu trouver. Ouais, la biographie. Du mois de mars, ça va être sur l'équipe. Une équipe controversée. Une équipe qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 90. Les ouais. Nasty Boys, années 90. Donc, wow, ça va être. Il y a beaucoup de monde qui, je pense, qui connaissent absolument rien des Nasty Boys. T'sais, à part qu'on sait qu'ils sont un peu débiles légers et qu'ils ont bien de la couleur. Là, pas le fun. Ils sont le fun, les Nasty Boys. Puis, je ne les ai pas montrés en début, mais tain, pour ceux qui écoutent YouTube, les Nasty Boys version Hasbro. Faudrait que je me pogne sur avec les couleurs. Là. C'est. C'était des galoupes? Non, c'était les San Francisco Toymakers, je pense. Oui, c'est ça, exact. Ouais. J'aime bien les couleurs des Nasty Boys, leur suit, leur. Ouais. C'est drôle parce que. On dirait que ça sont très. Pas gothiques, mais sont très noirs un peu dans leur style, mais ils ont plein ouais. de couleurs aussi. C'est oui, oui, oui. Ouais. C'est comme une canne de peinture qui a explosé dans la face. Ouais. T'aurais pu trouver mieux, mais c'est correct. Ben, toi, il y a trop aussi trouvé mieux, c'est pas grave. On est quitte. Fait que Nasty Boy, notre biographie du mois de mars, notre troisième biographie déjà après Bret de Hitman Hart et Rick Rude en 2023. Not bad. Talent de lutte descend une chatte, par exemple? Oui, là, vous allez voir les deux prochaines, ça va descendre un petit peu. Quoique, dans l'autre, ça va être quand même le fun. On va aller du côté féminin. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait à ce mois-ci, féminin, avec notre semaine qu'on vient de faire de c'est vrai, hein, fatal au complet, on aurait pu interchanger, mais bon, c'est comme ça. C'est tellement d'affaires maintenant pour tout penser à tout. Ben, c'est ça. Fait que oui, ça va être une femme pour la prochaine biographie. Fait que on ne vous le dit pas tout de suite parce qu'il est encore tôt dans le mois de mars. Donc. Je ne me rappelle même pas c'est qui, Winoui. Ben, tu devrais t'en rappeler, tu l'aimais beaucoup à l'époque. C'est déjà ça? On n'avait pas switché? Non, c'est déjà ça. Ben oui, on a switché. Mais c'est déjà ça. Là, c'est pas... En tout cas, on en reparlera hors d'onde, mon cher. On en reparlera hors d'onde. Fait qu'on est dans la WrestleMania season aussi. WrestleMania 7 qu'on va faire, WrestleMania 35 où qu'on était live, et le choix du public, on peut le dire maintenant, c'est ça? Oui, tu peux dire oui. Ça a été très, très serré. Ça a été une égalité, en fait, puis vu que c'était égalité, puis je ne savais pas quoi choisir, fait que finalement, j'ai dû choisir quand même. Donc, c'est une égalité entre WrestleMania 9 et WrestleMania 20. Et j'ai décidé d'y aller avec WrestleMania 9, Caesar's Palace, pour le rétro review de WrestleMania, le dernier, le troisième qu'on va faire cette saison-ci. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce WrestleMania-là. Des bonnes puis des mauvaises. Surtout des mauvaises. Surtout des mauvaises, ouais. C'est pas un très bon show. Là. C'est pas un très bon show, mais
sur papier. C'est nostalgique, ça... mais c'est pas un très bon choix. Ouais, sur papier, puis en look, ça paraissait bien, mais. Ça look bien, oui. Pour tout le reste, c'est quand ton main event dure 20 secondes. Ouais, ouais. Mais là, c'est un peu technicalité, un petit peu. C'est pas vraiment le main event, ça. Ouais, mais bon choix. Ouais, ouais, ouais. Fait que t'es-tu prêt pour WrestleMania, pas WrestleMania, mais la biographie des Nasty Boys ou avant? Je pense qu'on pourrait y aller comme des petites plugs avant. Je vais te laisser parler pour ça parce que de toute façon, je sais que t'as mal à la gorge. Fait que je vais te laisser non, parler. Non, mais c'est pas mal à la gorge présentement. C'est les sinus? Okay. Les sinus, oui, exactement. Les deux fatigants de sinus, gauche puis droite. Mais le Nobs et le Sags. Wow! Quand même, pas pire, oui, oui. Mm-hmm, on est-tu un peu? Oui, évidemment, oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram, Twitter, et aussi en vidéo sur YouTube pour les podcasts, les En travers la table, les entre deux collections, et aussi, évidemment, sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts pour l'audio. Mm-hmm. Évidemment, n'oubliez pas notre Patreon, qui est disponible à tout le monde qui veut en profiter, à des tiers de 3 et 5 $. Et ouais. Évidemment, le main event de ce tiers-là, c'est dans le fond, c'est le patron-là, c'est le tiers à 5 $ avec le tirage pour le concours du pour l'aréna Slush Poppy. Pour la séance des dédicaces entre Raymond Rouchot et les Demolitions au mois de juin, le 16 juin, c'est ça? Non, c'est le 17. Tu vois, j'ai dit entre les deux comme tu l'as bien quiz. Fait que oui, évidemment, fait que, en vous inscrivant sur Pogas à 5 $ pour le tier, vous allez avoir la chance de gagner. Puis plein d'autres choses, dans les podcasts en avance, les entre deux collections en avance, entrevues spéciales, le pool, évidemment, les prédictions. Puis toutes sortes de choses, allez voir ça sur Patreon, le lien est dans la description, comme d'habitude, que ce soit sur audio ou vidéo. Puis pas mal ça, évidemment, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, puis évidemment, en audio et en vidéo. Parfait. Je pense que ça fait pas mal le tour de tout ce qu'on offre. Et bien plus encore bientôt. Parce qu'on ne cesse d'évoluer. Puis tu parlais du show au centre Slush Poppy, show de la GPW. Mais sachez qu'il y a déjà 1000 billets de vendus sur une possibilité de 5000. Mais 1000 billets, c'est tout un exploit. Là. 1000 billets de vendus, c'est... puis il n'y a même pas de combat d'annoncer encore. Ouais, on va y être aussi, évidemment. On va être là live. Oui, on va être là live. On va faire un podcast bien out. Podcast, on sait pas encore les invités. Là. Évidemment, c'est loin. C'est dans trois mois. Mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus avec nos amis Martin et Stéphane de la GPW et de la WCA. C'est ça? Oui, c'est ça. Une chip pour 50$. Ouais. Mais j'ai toujours peur de me tromper dans les lettres parce qu'il y a tellement de lettres partout à ce temps qu'on couvre tellement d'événements que, oui, c'est ça. Ça me fait peur. Parlant de lettres et de groupes de collectionneurs, on est officiellement, officiellement, là, on est des Hall of Flamers. Ouais, mais tu sais, je suis content, mais je me sens comme si j'étais Matt Hardy, puis ils ont introduit Jeff, puis ils n'ont pas eu le choix d'introduire Matt. Ouais, c'est ça. Non. Parce que t'es là depuis longtemps. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup pareil dans la dernière année. Hein. Ouais, mais c'est pas juste une question de partage aussi, qu'on parle beaucoup de l'autre dans le podcast. Je me sens quand même comme Matt Hardy. J'ai les pieds collés. Un va pas sans l'autre. Là. Ou bien, je suis comme le Booker T, t'es comme le Stevie Ray. Ouais, ça, c'est chien. Il y a même eu Matt Hardy. Mais Matt Hardy a gagné beaucoup d'affaires comparé à Stevie Ray. Là. En tout cas, c'est pas grave. On se carre pas pour ça. J'aime mieux Matt Hardy que Stevie Ray. Là. Stevie Ray, à part avoir une école de lutte, il n'y a pas grand-chose. Son slapjack. Ouais. En plus, il accepte, il va à n'importe quel podcast, Stevie. Stevie Ray, bon, c'est correct, il a même le droit. Ouais, Slapjack, ouais, ok, parfait. Ouais, évidemment, les Hall of Flamers, on est bien contents de ça, fait que, évidemment, suivez ça, il a pas juste WCA, il y a LWA, puis aussi la CWC, il ne faut pas oublier non plus, là, beaucoup de groupes de collectionneurs au Québec, là, puis... Il y a Josh, Josh aussi. Josh, comme tu venais, oui, de Wrestling Figures Montréal, puis... Je vous dis, là, si vous voulez être collectionneur de choses, de trucs de lutte, là, que ce soit vintage ou actuel, au Québec, puis à Gatineau, là, on est choyé sur les réseaux sociaux. Puis je vais vous donner un petit conseil. Si jamais vous voyez un concours pour des Razzies, puis que Denis Forbes est là, ne participez pas. Don't even bother. Oui, exact. Bon, on part. Les Nasty Boys, Jerry Sags et Brian Knobs. Des amis d'enfance, mon cher TJ, qui ont été à la polyvalente dans l'État de la Pennsylvanie. Comme nous autres. Comme nous autres. Des amis d'enfance, on est allé à l'école, mais pas en Pennsylvanie.
Ah, oh, comment? Tu as croisé l'illusion du podcast. Ouais, nous autres, on était plus proche de Iberville puis Haute. C'est ouais. Pas mal pareil. Iberville, puis, même. Évidemment, c'est des petits bums hein, dès leur jeune âge. C'est pas des gars très, très tranquilles, les Nasty Boys. Puis, il y avait des amis qui étaient très fans de lutte. À l'époque, eux, ils étaient un petit peu moins fans, mais ils n'écoutaient pas ça. Puis, il y a un de leurs amis qui les avait suggéré de se lancer dans le monde de la lutte professionnelle. Parce qu'il y avait des bons gabarits, c'était des batailleurs nés. Puis, il y avait pas mal. Hein, ils n'ont jamais mal, les Nasty Boys. Ils sont prêts à tout. Donc, ils ont fait, hey, pourquoi pas? On va aller dans une école de lutte près de chez nous. Et ils ont été entraînés par le célèbre Vern Gagné, qui a entraîné... Gagné. Ben moi, je dis Gagné. Gagné style. Parce qu'il n'y a pas d'accent aigu. Ouais, je sais, c'est Vern Gagné. Mais on dit Vern Gagné, mais il n'y a pas d'accent aigu. Mais on dit Vern Gagné. Il n'y a jamais personne qui a dit Gagné. Non, non, c'est Vern Gagné. Vern Gagné, c'est ça? Gagné. Okay, Nasty Boys. Okay. Ils ont fait plusieurs shows indie avant de se joindre à la populaire AWA, qui avait été aussi, qui ont eu de très grands lutteurs là-bas, les Shawn Michaels, les Scott Hall et compagnie, Mr. Perfect, Rick Rude. Party Marty. Ça, c'est juste pour Alfredo. Ouais. Faudrait arrêter le name drop, je trouve qu'on lui donne trop d'attention. Party Marty? Non, Alfredo. Moi aussi, là, mais garde ça. Okay. C'est celle qui commande pour me le garder un peu. Hein. Non, il y en a deux. C'est vrai. On salue Daniel. Mais sinon, c'est ça, il est allé à AWA. Il y a une petite histoire, justement, avec Scott Hall plus tard dans la biographie, que ils se sont connus là-bas, qui apparemment étaient des bons chums, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va en reparler dans l'histoire de la WCW un petit peu plus tard. Le nom Nasty Boys, selon les Nasty Boys, leur ont été donnés après une soirée arrosée avec la fille de Vern Gagné. Donc, OK. Hein, en partant, quand tu fais une soirée arrosée avec la fille de ton trainer, puis c'est elle qui te donne le nom Nasty Boys, tu peux te faire des idées un petit peu. Oh, ouais. Donc, je connais pas sa fille à Vern Gagné, mais apparemment qu'elle aime ça, hang out avec les lutteurs. Je sais pas si elle a fait de la lutte. Elle a fait de la lutte, sa fille, à Vern Gagné? Ben, je pense pas. Chez son garçon, oui, là, Greg Gagne. Ça fait beaucoup de. Il était lutteur aussi, là, mais sinon, je pense à fille, j'en doute très fort. Mais quoi que ça pourrait. Peut-être qu'elle a déjà essayé, puis on est juste pas au courant. Le mois prochain, la biographie de la fille de Vern Gagne. C'est elle, la femme. C'est elle, oui. Okay. Évidemment, je vous apprendrai rien, puis je t'apprendrai rien en disant que les Nasty Boys n'avaient pas une très, très bonne réputation en dehors et en dedans de la reine. Des gars un peu sloppy, un peu selfish, qui faisaient pas attention à leur adversaire. Eux autres, ils étaient là pour se battre, puis j'ai l'impression qu'ils savaient pas c'était quoi la limite entre la lutte puis le théâtre, un peu, si on veut. Le fait que la lutte, ça soit pas arrangé. J'aime pas ça dire le mot arrangé, mais comment je pourrais dire ça? C'est un autre mot là, que arrangé. Prédéterminé? Prédéterminé, moi, ouais, j'aime ça. C'est mieux. Ça a pris du temps, mais tu l'as eu. Ouais. Et comme disaient les bébés, hein, faut faire attention, hein, faut pas blesser les gens dans le ring. Ils disaient ça, les bébés? Mais fais attention, tu n'as pas changé, fais attention des bébés. Fais attention, tu pourrais m'en aller pour de bon. Je vais essayer de la mettre, je ne sais pas si on va se faire. Ben, tu pourras en audio, en tout cas. OK, parfait. Durant leur séjour à Memphis, évidemment, sous l'aile de Jerry Lawler, que après tout le monde dans le monde de la lutte a passé par Memphis et Jerry Lawler, on va en parler souvent dans chaque biographie ou dans chaque rétro review, on en parle au moins une fois. On a essayé d'entraîner par Jerry Lawler, nous autres aussi, tant qu'à ça. Il a s'entraîné pour le podcast Jerry Lawler, il n'a pas été à Memphis. Il nous a tout dit comment parler. Il a essayé plusieurs looks. Jerry Lawler pour trouver un peu la couleur des Nasty Boys. Il aurait même fait porter du make-up comme s'il n'était pas déjà assez laid comme ça. Il a rajouté une couche de make-up, mais c'est quelque chose qui ne marchait pas. Ça ne fitait pas. Les Nasty Boys n'aimaient pas ça non plus. Puis, tu sais, Lawler faisait des essais-erreurs parce qu'évidemment, dans le territoire, c'est lui qui bookait puis c'est lui qui est un peu le Vince McMahon de son territoire. C'est le grand Manitou. Exact. Donc, ils ont plutôt opté pour un look punk rock à l'époque. Donc, tu sais, manteau de cuir long. Comme je disais en début,
très noir, mais avec, comme tu disais, une canne de peinture qui explose. Donc, un peu de couleur malgré ça. Tu sais, genre un genre de radio un peu sur l'épaule. Ça fait quasiment hip-hop, mais c'est punk rock. Là. Tu sais, c'est un beau mélange. Là. Donc, c'est ça. Fait que c'est un mélange entre les goûts personnels des gars qui étaient plus dans le spectre de la noirceur et une petite couleur rajoutée par Jerry Lawler et ses créatifs à l'époque. Mm-hmm. Donc, merci à Jerry Lawler pour ça. Il en a fait des bonnes affaires, Jerry Lawler, dans le monde de la lutte. Là. Ben oui, légende, Jerry Lawler. Oui, on y doit beaucoup. J'espère qu'il va bien à l'heure qu'on se parle. Oui, c'est vrai. Il y a eu des graves problèmes récemment, c'est vrai. Oui. Donc, lunettes fumées, chandail noir, manteau noir avec un peu de couleur, les lunettes colorées aussi, lunettes noires avec de la peinture par-dessus. Donc, très cool comme look. Les années 90, à la WCW, les Nasty Boys étaient là. Leurs principaux rivaux étaient les Steiner Brothers, donc mon équipe favorite. Les Steiner Brothers contre les Nasty Boys à la WCW dans les débuts des années 90. Je pense que c'est... Il y a une couple de bons matchs que... Habituellement, je vous suggère tout le temps des matchs à la fin des bios, là, mais il y a une couple de bons matchs que vous pouvez aller voir. Un peu sloppy, là, parce que c'était leur début un peu. Là. Ouais, c'est ça. Street fight. Mais il y avait quand même des trucs intéressants. Puis, ils bumpaient pas bien, mais c'était pas flawless quand ils bumpaient, mais ils se donnaient beaucoup. Là, ils se pitchaient un peu partout, les Nasty Boys. Fait que ça peut bien matcher les styles aussi. C'était plus sur l'aspect genre vraiment bataille de rue là, que lutte. Là. Fait que quand ils faisaient des bumps, ils faisaient pas ils faisaient des bumps quand même corrects, mais c'était pas genre wow, ils faisaient un flat back bump comme un dieu. Donc, ouais. Ouais. Selon plusieurs observateurs et analystes et experts de lutte, le meilleur match de la carrière des Nasty Boys a eu lieu à Halloween Havoc 90 contre les Steiner Brothers. Donc un match que j'ai écouté. Meilleur match des Nasty Boys à vie, c'est dur à dire, je ne les ai pas toutes vues, là, mais ouais, je pense que c'était un très bon, sans aucun doute. Mais tu as-tu un souvenir d'un match que. Ben oui, il y a des matchs de l'autre à WCW par après, là, à leur second run, en 93 à peu près. Ouais. Sont vraiment bons. Là. Je te dirais, ce match-là, je ne l'ai pas vraiment vu, mais je te dirais que je ne pense pas que c'est mon match préféré d'eux autres. Là. Mais évidemment, je ne l'ai pas vu. Fait que je peux pas vraiment dire que c'est. Logiquement, c'est ça. Mais ouais. J'ai vu des matchs qui sont, d'après moi, qui sont quand même bons. Fait que. Parfait. Heureux hasard pour eux autres, en 1990, deux mois après que ce match-là a eu lieu contre les Steiner Brothers, Vince McMahon et son équipe créative, probablement Bruce Pritchard et Pat Patterson, qui avaient l'œil sur le talent de l'autre côté de l'autre organisation. Faites un petit appel aux Nasty Boys pour jumper de la WCW à la fin de leur contrat à la WWF à l'époque. Donc, un match qui a attiré l'attention de Vince contre les Steiner Brothers qu'ils connaissaient. Donc, ça l'a peut-être mis la... Comment on pourrait dire ça? L'eau à la bouche. L'eau à la bouche, ça l'a incité. Alex ne comprendrait pas ces expressions-là. Inciter les Nasty Boys à rejoindre la plus grande fédération, la plus prestigieuse du monde de la lutte professionnelle. Petite parenthèse, une histoire en extérieur du ring qui s'est produite dans ces temps-là avec un lutteur qui n'était pas encore connu du grand public, mais comme tu l'avais déjà si bien dit, luttait avant de faire des arts martiaux mix, Ken Shamrock. Mm-hmm. Petite altercation dans un bar avec Ken Shamrock et les Nasty Boys. Donc, comme à l'habitude, les Nasty Boys sortaient beaucoup dans les bars le soir après. Puis, il était très défoncé, une autre habitude. Puis Ken Shamrock était dans un bar avec un ami, puis il y avait un ami de fille avec son ami à lui. Puis Sags était apparemment très entreprenant avec la fille, pour ne pas dire harcelant. Touchait la poitrine, on commençait à se battre. Puis Ken Shamrock, dans le fond, les Nasty Boys se sont fait sortir du bar. Ça restait comme ça. Puis au retour à l'hôtel, Ken Shamrock était dans le même hôtel qu'eux autres. Puis, il y aurait eu une bagarre qui a éclaté. Là. Tu connais un peu l'histoire, là, de toute façon. Hein? Ouais, un petit peu. Entre Ken Shamrock. Puis, se sont rendus dans la chambre. Mais apparemment que Shamrock est allé cogner dans la porte. Ben, cogner. Quand je dis cogner, c'est un coup de pied dans la porte pour défoncer la porte. Ça, c'est ce que les Nasty Boys disent. Shamrock lui dit qu'il a cogné avant. Ben, tu sais, cogner, défoncer une porte, pour moi, c'est la même chose. Oui, mais cogner quoi? La porte ou les Nasty Boys eux-mêmes? C'est pas pareil, là.
Parce qu'il faudrait que tu demandes à Patrick Roy, il connaît ça, lui, défoncer des portes. Il a cassé à porte. Puis, c'est ça, dans le fond, il a défoncé à porte, puis s'en est pris, apparemment, que c'était, je pense, c'était SAG ou non. Mais il y en a un qui était pass-out, non? Ouais, il était pass-out ouais. Complètement dans le lit, il était sous-mort, puis apparemment, qu'il a commencé, je pense que c'est SAG, ça, parce que c'est souvent SAG que les problèmes arrivent plus, là. Nobs est ouais. Un peu plus sage, entre parenthèses, là. C'est un petit peu plus sag. Oh! T'en veux-tu un peu? OK. Non, merci. Puis apparemment, qu'il s'en est pris à lui, puisque c'est lui qui avait agressé, harcelé la jeune femme. Ouais. Puis Nobs, qui était dans les toilettes, a sorti de là, puis on a commencé à s'en prendre à Shamrock. Puis là, après ça, Shamrock dit que c'est le contraire, que c'est eux autres qui ont jumpé dessus en premier. Puis mais en même temps, tu es allé cogner à la porte. C'est un peu une histoire à la CM Punk Young Bucks qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Quoi. Ouais. Non, je savais que tu n'as pas dit ça. Ben, c'est un peu ça pareil. Là. Oh ouais, oh ouais. Mais avant qu'il tape sa porte, le Shamrock était dessus comme ça à faire. Ah! Une chance, c'était pas Goldberg, ça serait cogné, puis il aurait fait oh shit. Ouais, le temps qu'il rentre, ça arrive à te tabasser par les autres qui sont réveillés. Là. Apparemment que Sags aurait eu un poumon perforé suite au coup de Shamrock. Donc, déjà que son foie était déjà pas très en forme. Ouais. Mais apparemment qu'il aurait eu des blessures graves. Puis que. C'est ça. Puis après ça, Nobs aurait pitché Shamrock en bas d'un balcon. C'était genre un deuxième étage. Puis Shamrock serait fait pitcher par Nobs en bas. Okay. Puis il a subi des blessures. Oui, je pense que oui. Il subit quand même des popées blessures. Puis là, c'est ça, il y a deux versions différentes. Là, il y a beaucoup de shoot interviews avec les Nasty Boys sur YouTube, sur Internet, de plusieurs de leurs altercations, parce qu'elles n'ont pas juste une. Non. On va en reparler plus tard, parce que Shamrock et les Nasty Boys, ce ne sera pas la dernière fois qu'ils vont se rencontrer et se tirer la barbichette, comme on dit. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça, je ne connaissais pas. Tu vois, ces histoires-là, en faisant la bio, j'avais entendu brièvement parler, mais je ne connaissais pas tant l'histoire non plus. Ouais, j'étais pas, Nasty Boy, je connais l'ensemble, mais quand je creuse, des affaires, je ne connais pas là-dedans. Ouais. Bon, on connaît plus l'aspect lutte que d'autres choses, souvent des biographies. Là. Mm-hmm. À moi, c'est vraiment des affaires graves qui ont été avec la police et tout ça. Là. Ouais. Mais sinon, non, c'est à force de faire des recherches qu'on trouve des bonnes affaires. Ouais, c'est cool, en plus, de savoir des affaires. Ouais. Puis il y a même une affaire plus tard qui va arriver, je pense, souvent dans ton texte, là, avec un des Nasty Boys qui a manqué un Rumble à cause qu'il a été tiré. Non, je ne l'ai pas. Tu peux le raconter, je ne l'ai pas marqué, moi, vas-y. Par cœur, je ne pourrais pas te le dire. Là. C'est pas grave. Mais je pense qu'il y avait, en venant de Rouse Show, je pense qu'il était avec, c'était les Nasty Boys, puis IRS, je pense, je ne me trompe bon. Pas. Non, mais je ne dis pas ça. Pas. Je niaise. IRS, je pense, puis il s'est fait tirer par un des... par un gars. Puis mm-hmm. C'est pour ça qu'au Rumble 92, il y a seulement un des deux qui était là. C'était seulement Sykes qui était dans le Rumble match. Oh! Ouais. Fait que ce serait Nobs qui se fait tirer. Oh, okay. Ouais. Puis même si c'est bizarre, parce qu'il y a eu Rumble de 91 et 92. En 91, c'était Brian Nobs qui était là, puis Sykes n'était pas là. Puis, ben, en fond, Sykes était là, mais il avait lutté un dark match en singles avant le pay-per-view. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, l'année d'après, ben, c'est Nobs qui s'est fait tirer, fait qu'il y a juste Sykes qui était là. Fait que c'était quand même weird qu'un ouais. Année c'était un, puis l'autre année c'était l'autre. C'est quand on parlait de Troublemaker, là, c'est qu'il arrivait tout le temps quelque chose à l'extérieur de la ring qui fait que. Ah, mais c'est les Nasty Boys, là, c'est pas les enfants de cœur, on parle pas du tag team ou du Québec. Bon callback, j'aime ça. à WWF, rapidement, ils ont le vent dans les voiles, puis on voit qu'on veut les pousser rapidement, qu'on veut en faire des vedettes, puis on aime ça. Hein. On les place tout de suite en position gagnante avec Jimmy Hart, un des meilleurs managers de l'histoire. La bouche du Sud, comme tu l'appelles ouais. Souvent. Ben oui, donc, c'est son nom. Avec le petit casque là, que Nasty Boy, c'était assez comique. Ouais. C'est un peu weird, mais ça passe. C'est Jimmy Hart, ouais. Fait que ça marche bien. Et ils vont remporter une battle royale à 7 équipes pour devenir les aspirants numéro 1 au Tag Team Championship à WrestleMania 7. Donc, ouais. Pour arriver à WrestleMania 7. Puis ils vont devenir champions par équipe en battant la Hart Foundation à WrestleMania 7 dans un match moi, que j'ai trouvé très bon. En même temps, la Hart Foundation, c'est les débuts de Brett, si on veut, dans la jeune carrière de Brett à WWF.
puis pas début, là, parce qu'il a commencé un petit peu avant. Mais, ben puis, là, ou un petit peu avant quand même. Là, il a commencé à 85, Bret Hart, le BF. Là. 85? Oui. Alors, Fallon Jr. a commencé en 1985 à WBF. Ah ben, c'est quand même dans le premier tiers de sa carrière, d'abord. C'était juste avant la fin de son... avant qu'il y ait en singles là, sans Night Art. Là. Ouais. Parce que 3-4 mois après, il a gagné à SummerSlam contre Monsieur Perfect. Fait que... Mais ils ont été quand même... pas qu'on était quand même, mais comment je... Night Art était très bon dans Art Foundation. Je trouvais que... Ben, toi, je sais que tu l'aimes pas mal plus que moi. Là. Je l'aime pas tant comme lutteur, mais je trouve qu'avec la Art Foundation, c'était un bon complément pour Brett, pour aider Brett. C'était comme le Rock de, ouais. De Brett. Je parle pas de Rock le lutteur. Je pense que c'était vraiment la pierre angulaire qui faisait que Brett avait vraiment ses affaires qu'il voulait, puis l'autre était bon. Là. Surtout côté promo et charisme aussi. Là. Ouais, je trouve que ça fait encore plus bien paraître Brett de le mettre avec lui aussi. Ouais, puis ce match-là, WrestleMania 7, comme tu as dit, ouais, c'est un bon match. Puis, anyway, on va faire le review très bientôt. Semaine prochaine, on va faire ça sur toutes les plateformes. WrestleMania 7. Ouais, un show très, très intéressant. Puis ça, c'est le fun parce que j'ai écouté le show WrestleMania 7 avant de faire cette bio-là. Fait que, tu sais, j'étais déjà un peu. Ben, j'ai fait la bio avant, j'ai écouté le match après. Là, on fait la bio avant qu'on fasse ça. Je me comprends, là, mais j'avais vu le match récemment. Donc, c'est frais dans ma mémoire pour dire que, oh oui, le match. Ça va être intéressant de l'écouter. Ouais. Ils vont garder les titres jusqu'à SummerSlam 91, où ils vont les perdre contre une autre excellente équipe du nom de Legion of Doom. Ouais. Legion of Doom, un match très, très, très divertissant entre deux équipes avec un très gros charisme. Qui, c'était pas les meilleures équipes côté lutte, quoique Legion of Doom est beaucoup meilleur que les Nasty Boys en lutte, mais les équipes qui laissent personne indifférent. Non, t'es pas d'accord? Ben, peut-être plus côté Legacy, peut-être, là, mais Nasty Boys et Legion of Doom, il n'y a pas grande différence tant qu'à moi. Là. Oh, pas d'accord. C'est juste que les LOD, c'est peut-être un peu plus gracieux. Prestigieux, mais, ouais. Ben oui, non, je parle côté Legacy, c'est sûr là, que LOD, c'est pas mal une des meilleures équipes ever, là. Mm-hmm. Mais côté in-ring, là, LOD, là, c'était sloppy des fois aussi. Ils ne vendaient pas grand-chose des opposants. Puis, même les époque, squash, mettons, hein? Même les squash aussi, là, ils étaient pas mal plus dangereux que les Nasty Boys, là, côté squash. Là. On est-tu d'accord que Hawk, c'est le meilleur des quatre? Ouais, Sykes, il est bon. OK. Là, même Jerry Sykes, pour vrai, des quatre. Là, je trouve que je te dirais que c'est lui que j'aime le plus des quatre. Plus que Hawk? Ouais. Ouais. Pour Hawk, c'est pas... Moi, j'aime plus Animal que Hawk en plus. Que... Ah ouais? T'as bien, ouais. Okay. Ben, c'est correct. C'est que... On n'est pas toujours d'accord. Hein. C'est ça, qui est le fun. Oh, what a rush. Hein, exact. Puis, well. Ouais, c'est ça, well. J'aurais dit ça à place, fuck. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que quand ils ont battu à SummerSlam 91, ben, la dernière équipe que les Nasty Boys avaient éliminée dans Battle Royale pour se rendre à WrestleMania 7, c'était Legion of Doom, justement. Fait que, avec l'aide de Power and Glory, par exemple. Ouais, exact. Mais c'est pas grave. Ils ont quand même. Au moins l'histoire se continue. Puis dans ce temps-là, tu n'avais pas 4 shows semaine pour construire tes affaires. Fait que... Ouais, mais c'est pour ça un peu qu'ils ont fait la transition la Art Foundation Nasty Boys à LOD. Là, parce qu'ils avaient facilement faire LOD contre Art Foundation, mais ils ont même mis les Nasty Boys à la place comme. Mm-hmm. Comme champion de transition. Fait que c'est quand même une bonne chose pour eux autres. Bonne place au bon moment. Oui, exactement. Fait que très, très bon. Puis après ça, en 92, ils vont avoir un programme avec les jeunes Rockers, Marty, puis Shawn Michaels. Puis ce qui est drôle, c'est que ils retrouvent les Rockers parce que c'était leur premier programme quand ils sont allés à AWA. Dans le fond, quand on commençait à AWA, c'était contre les Rockers. Donc, ben, justement, une histoire avec les Rockers et les Nasty Boys, c'est qu'à un moment donné, quand on commençait à AWA, les Rockers étaient là depuis un petit bout, je pense, à peu près. Ouais, ouais. Puis, un an ou deux, ouais. C'est les Nasty Boys qui ont été voir les Rockers. Ils ont dit ça. Ça a l'air que c'est vous autres qui sont les bêtes de party. Puis, c'est même qui ont commencé leur amitié avec eux autres. puis... Évidemment. Non, mais pour vrai, non, ils disaient. C'est eux autres qui buvaient beaucoup, on peut vous out-drinker facilement, puis c'est même qu'ils ont eu leur amitié et qu'ils ont fait de la party ensemble. C'est qui paye la poudre à soir? Ouais, peut-être, sûrement. Hey, ça devait être les chambres d'hôtel. Une chance qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là, parce que... non. On n'aurait pas eu de... Qui regardez ce qu'ils ont fait à la chambre, les cochons. On parlerait pas de Bret Hart, Shawn Michaels, c'est qui le meilleur aujourd'hui, hein? Ça serait Bret haut la main. Pourquoi Bret ne donne pas sa place non plus, hein? Mais moins pire que Chambre, ça, c'est sûr.
Ça dépend à quel côté que tu parles. Si tu parles côté adultère, on sait jamais. Là. Ok. Je pensais que tu parlais de quel côté de l'Atlantique ou du pays que tu parlais. C'est pour ça que. Ah oh, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout. Ah ben, merci beaucoup d'avoir été là pour la biographie des Nasty Boys. Après la rivalité contre les Rockers, qui était quand même très bref, il y a eu une petite rivalité de transition avec les Bushwalkers. Ouais. Fait que ça, je vous conseille pas d'aller voir ces matchs-là. Il y a aucun match qui a passé à l'histoire entre les Bushwalkers et les Nasty Boys, là, honnêtement. Le même style de tag team, à peu près. Là. Wow, je suis pas d'accord. Les Nasty Boys, pas les Nasty Boys, les Bushwalkers, c'est... Non, mais le pays tag team ever, quasiment. Là. Oui, mais je veux dire dans le sens côté personnage, là, les deux équipes, c'est des équipes de un petit peu de fou, là. Puis sont un peu pas sloppy, mais sont un peu genre out there, un peu côté style de lutte. Fait que, je trouve que ça se ressemble quand même pas mal. Là. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de lutter pour lutter. C'est un peu drôle à dire, là, mais. Ouais, genre, ouais. T'étais book pas en disant, OK, eux autres, vous allez faire un 15 minutes, puis je veux que back and forth. Non, 15 minutes, mais on va faire n'importe quoi. Vous autres, vous faites un match d'une heure, restez au Garden, vous êtes capables, les gars. Et un match que tu te souviens probablement, parce que en 1992, au Survivor Series, les Nasty Boys m'ont teamé avec une de tes équipes préférées, les Beverlys. Tu te rappelles-tu de ça? En 92? Oui, c'est en 92. Les Beverlys. Tu veux que je double check pour être sûr? Il était contre les Beverlys, non? Non, il était avec les Beverlys. T'es sûr? Tu me fais douter. C'est 91 d'abord. C'est 91 d'abord. Tu me fais douter parce que t'es l'encyclopédie de la lutte. C'est 91. 92, il était contre les Beverly Brothers. Pas 93 qu'il était contre? Non, Garance n'était plus là en novembre. Non, c'est vrai, il était rendu à WCW. Là. 91, c'est les Beverly Brothers puis Money. Non, Beverly Brothers. Puis c'est quoi l'autre? Les Nasty Boys. Contre les Rockers et les Bushwhackers. 91. Je suis pas sûr de ça. Check. Puis 92, c'est les Nasty Boys puis les Natural Disasters contre les Beverly Brothers et Money Inc. OK, on va regarder ça rapidement parce que je suis pas certain de ça. Mais je pense que tu as raison. Ouais. Natural Disasters. Mon nom? Comment? Natural Disasters puis Nasty Boys. Contre Money Inc. et les Beverly Brothers en 92. Donc, tu as raison, c'était en 91. Fait que j'ai jumpé de 6 mois parce que c'était ben, un an, quasiment. Un an, ouais. Fait que, parce que, ouais, c'est ça, exact. Mais, bref. Ils ont quand même teamé ensemble en 91. Oh, ouais. Je me suis trompé d'un an. C'est soit d'un an ou d'un nom ou d'une date. Exactement, ouais. Ouais. Fait que, parfait. Parfait. Désolé. Désolé pour ça. Sur la route de WrestleMania 8, on l'a-tu fait, WrestleMania 8? Oui, on l'a fait, oui. OK. Ils vont feuder contre deux de mes préférés, Jim Duggan et Sergeant Slaughter. Quand tu parles d'une équipe, là, quand tu veux parler des deux pires à mettre ensemble. Là. On fait quand la bio de cette équipe-là? Jamais. C'était quoi leur nom d'équipe? Que Jim Duggan, au moins, ça pourrait être intéressant, non? Ben, s'il vient au podcast, ça ne me dérange pas. Oh shit, tu serais malade. C'est quoi leur nom d'équipe déjà à Duggan? Pis, Ben, il n'y en avait pas, là. T'es sûr? Mais oui, il y avait un nom d'équipe. C'est pas les American quelque chose, là? Ou, Non, je pense pas. C'est juste Duggan et Slaughter. Il n'y a pas de nom d'équipe. En tout cas, est-ce que je ne cherche pas le nom d'équipe officiel? Là. Peut-être un nom d'équipe que les commentateurs disent pas de temps en temps, peut-être. Là. Tout ça va mener à un match 4 contre 4 avec Virgil Bossman, le sergent, et Duggan bon, contre les Nasty Boys, le Monty. Et Rippleman. C'est bon, Rippleman ce match-là. Pour vrai? Ben, c'est très cool. Mais c'est non, WrestleMania 8, celui-là. Hein? Ouais, je l'aime bien, ce match-là. Puis c'est dans l'avant que Virgil avait un face mask, là, le peu à la Cody Rhodes. Là. On l'avait écouté chez nous, ça, hein? Ensemble? Quand tu étais venu m'emmener coucher, on l'avait écouté le lendemain matin, je pense, ça se peut-tu? Non, on l'avait écouté SummerSlam avec Rude contre Warrior. Ah oui, ça. Oui. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc, ouais, je voudrais que je le réécoute ce match-là. Je n'ai pas écouté ce match-là dans ma liste de matchs que j'ai écouté. Pourquoi c'est bon, divertissant, j'imagine? Ben, c'est parce que c'est pas long, puis c'est un brawl. Fait que je trouve ça cool. Là. OK. Puis c'est des personnages que j'aime bien aussi. Là. Puis avant le match, il y a le gars de Family Feud, le Ray Combs, à l'époque, ouais. Qui fait des introductions sur tous les Luther Hill, c'est malade. Il dit, maintenant, il dit du Monty. Il connaît pas le mot, il connaît pas ce que le mot peur veut dire. Puis il connaît pas beaucoup de grands mots que ça veut dire non plus. Ou bien, il fait le travail de trois hommes, Larry, Curly et Mo, les trois stooges. Ouais. Puis il a dit du Repo Man,
ses parents étaient déçus, il a toujours voulu avoir un garçon. Ripoman, ouais. qui est Smash the Demolition. Ouais. Fait que, on dirait que... Ben, non, c'est pas vrai. J'allais dire, ouais. On dirait que j'aime mieux Ripoman que Smash, mais c'est pas vrai. Mais je trouve ça cool que tu mettons, t'as des articles, si on le voit en vrai, t'as des articles à faire signer, que t'as les deux, t'as Ripoman puis t'as Smash, c'est la même personne. Là, fait que, ouais. C'est quand même nice. Même le Hasbro, là, tu sais, un petit... Ouais. Non? Peut-être que tu arrêtes le package, peut-être, là. Le mock. Ah, football. ouais. Ça s'arrange. Ouais, bon, c'est sûr, ben oui. Il ne doit pas être si cher que ça. Ouais, c'est ça. Exact. Pas longtemps après, il va y avoir un face turn des Nasty Boys qui m'ont laissé tomber leur gérant Jimmy Hart. Ben, c'est plus le contraire. C'est le contraire à Jimmy Hart qui est allé plus avec l'équipe Hot Dollar que mon équipe, Money Inc., mon cher TJ. Puis le pire, c'est pas la première fois qu'il avait fait ça, Jimmy Hart, à une de ses équipes. Il avait fait la même affaire au Natural Disasters avant aussi. Oui, mais un peu comme Sonny avait refait ça après. Elle faisait la même affaire avec. Elle laissait tomber tout le temps ceux qui étaient plus contenders par la avec les champions. Ouais, mais c'était pas la même chose parce que Sonny, elle les dumpait, tandis que l'autre, il faisait des manigances dans leur dos pour aller. Ouais. Dans le fond, mettons exemple, Rajla avait un title shot. Puis les Nas de Jimmy Hart disaient, vous allez avoir un title shot, il n'y a pas de problème. Puis finalement, c'est Money Inc. qui avait le title shot, puis il se demandait pourquoi, puis il se rendait compte, ah, c'est toi, mon petit rat qui avait ça. Puis à tous les fois, ben, il faisait ça à ses gars. Comparé peut-être un peu plus à Paul Heyman, même si c'est encore plus sournois qu'Heyman. Mais... Ouais. Ouais. Okay. C'était nice en plus le turn là, qui est arrivé. Le Money Nasty Boys, il y avait Money Inc. qui avait un title shot, puis ils sont arrivés, ils disaient, pourquoi c'est le title shot, puis là, Jimmy Hart était là, il était là, calmez-vous les gars, c'est bon. Les Money Inc. ils ont voulu calmer juste. Ils ont donné de l'argent aux Nasty Boys. Ils ont compté l'argent, c'est pas payé. Ils l'ont mis dans leur poche puis ils ont frappé pareil. C'était malade. ouais, c'est deux bonnes. C'est, je trouve que c'est des bonnes équipes pour furner ensemble aussi. Ça marche. Là. Ouais. C'est des gars un peu qui ne suivent pas les règlements contre des gars qui faut que tu payes pour. Un peu comme les Money Inc. c'est un peu les APA de l'époque, là, si on veut. Là. C'est... Dans le temps. Puis dans le temps, c'est cool, il y avait un podium pour les entrevues, évidemment, qu'il y avait beaucoup à l'époque. Là. Mm-hmm. Puis il avait pris Jimmy Hart, puis il l'avait garoché sur les Money Inc. d'en bas. Puis, hey, come on, baby! Non, non, non! Ah, il était les selles de Jimmy Hart quand il crie, c'était écœurant. Ah, Jimmy Hart, là, on parle beaucoup de sur le radar un petit peu, des managers de l'histoire, là, mais non, il est excellent, Jimmy Hart. Là. On parle beaucoup de Bobby Heenan, qui est probablement le meilleur manager de l'histoire, mais Jimmy Hart, c'est sa voix qui est extraordinaire, puis ce qu'il a fait pour la business, la musique de la business aussi. Ben, Jimmy Hart, c'est sûr qu'à un moment donné, on va en parler. C'est sûr qu'on va faire au moins une bio sur Jimmy Hart dans l'avenir. Parce que, ben, on pourrait, parce qu'évidemment, juste avec l'affaire de musique, tu as parlé, puis on peut parler de toutes les toits qu'il a managé aussi. Fait beaucoup pour la business, ce Jimmy Hart. Là. Ouais. Donc, puis c'est drôle parce que tantôt, je m'avais vraiment trompé dans ma note de 91-92 parce qu'après ça, je parle de Survivor Series 92, Nasty Boys avec Natural Disaster contre Money Inc. et Beverly. Fait que, tu sais, je l'avais sur mes notes plus tard. Fait que, c'est vraiment juste ma date que je m'étais trompé. Puis, tu sais, ces matchs-là, pareil. Mon histoire de la Golden Era, les matchs singles. Les rivalités singles, on dirait que je m'en souviens plus que les matchs à plusieurs. Tout ce qui est Nasty Boys, même Money Inc. que j'adore. Il y a des trous dans ma mémoire de ça. Je vais plus me rappeler des Warriors, Savage, des affaires la même. Mais c'est ça. Fait qu'une année de différence. Fait que Nasty Boys, match remporté par le team des Nasty Boys en Survivor Series 92. Un match qui avait de l'allure quand même. Là. Un bon Survivor Series match de l'époque. Là. Un match que j'ai regardé que j'avais quand même aimé. Oh, Barry Burger était là dans le match, fait que c'est sûr que c'est bon. Là. Juste pour la toune. Ben, pas juste pour la toune. C'était moi l'équipe Beverly Brothers, je les aimais bien aussi. Moi, j'aimais mieux. Leur finish. Non, les Buddy. J'ai toujours la misère de leur premier nom. Heavenly Buddy, c'est ça? Les Heavenly Buddies, ouais. Ouais, Heavenly Buddy, je les aimais plus que. Oh, mais ça n'a pas rapport. Pourquoi tu compares ces deux teams-là ensemble? Je sais pas. Pour moi, ces deux teams-là sont comme pareils. OK. Je sais pas pourquoi. Mais les Emily Bolly, il y a un gars qui ressemblait au père de Jason Gray. Grant Gray, Il ressemblait à un des gars. C'est vrai. Ouais, je peux le voir là, je vois un petit peu,
C'est clair. Ça serait malade que les Grey Brothers arrivent comme avec les manteaux des... avec les ailes. Chris, s'ils ont besoin d'un Jim Cornette, n'importe quand, j'y vais. C'est bon. Au pire, on va envoyer Nasty. Je trouve qu'il fait mieux en Jim Cornette que moi. Je pense acheter une raquette de tennis. Parfait. J'en ai une, de toute façon, qui traîne ici. Toi. Je donnerai. Fais ça du tennis, toi. J'en faisais avant avec Mathieu, dans le temps. On jouait au tennis, dans le temps, c'était cool. Nice. J'aurais dû continuer, c'était bon pour le cardio, mais c'est ça. Ouais. Là, on va parler un peu de... Évidemment, il y a WrestleMania 9 qui s'en vient, qu'on va parler beaucoup. Fait que je ne veux pas trop m'attarder sur ce qui s'est passé pour les Nasty Boys dans le Road to WrestleMania 9. On sait que quand ça arrive la saison de WrestleMania, évidemment, c'est prestigieux parce que c'est WrestleMania, mais aussi le paycheck est très intéressant pour les lutteurs qui participent à l'événement. Paycheck que les Nasty Boys n'auront pas lors de ce WrestleMania-là parce qu'ils n'ont pas été utilisés, ont été remplacés surtout par Hogan et Beefcake. Ben, côté storyline, là, c'était vraiment, ils ont dit, on s'est mis de côté pour que les autres aient été à l'eau shot parce qu'évidemment, ils avaient pété la face de Beefcake avec la mallette une couple de mois avant, puis Hogan a fait son retour pour affronter Money Inc. à WrestleMania. Fait que dans storyline, les Nasty Boys, ils ont fait, bon, on vous laisse le title shot, on va prendre plus tard. Ouais, mais en même temps, le Hulk Hogan, ça reste une plus grosse star que les Nasty Boys mis ensemble. Là. Fait que je peux comprendre le pourquoi. Non, mais si faut pas aller au brush non plus. Là. Non. Ouais, non, je comprends le move. Puis au moins, il y avait une côté storyline, il y avait une excuse pour le faire. C'était pas genre out of nowhere, ils sont plus là, puis that's all. C'est sûr. OK. Mais ça aurait été quand même, je trouve que ça aurait été un plus gros match, pas un plus gros payoff parce que c'est Hogan, mais pour la division par équipe, je trouve que ça aurait été plus attrayant si tu étais un fan de division par équipe de voir les Nasty Boys contre Money Inc. avec le Jimmy Hart qui savait tourner, tu sais, ces trucs-là que de voir Hogan, que de toute façon, tu allais revoir plus tard dans la soirée, qui aurait peut-être juste être plus tard dans la soirée, justement, puis pas être dans ce match-là, mais la politique. En plus, le build était bon aussi quand même. C'était bon. Le build était correct pour les Nasty Boys contre Money Inc. Avec comme tu as dit, le turn de Jimmy Hart au Rumble avant WrestleMania, ben, les quatre joueurs avaient des spots dans le Rumble avec la personne, Mané Stenop, puis DiBiase au début. À la fin du Rumble, c'est IRS puis Sags. Ils sont éliminés mutuellement. Fait que non, c'était cool pour vrai. Puis sauf qu'en même temps, je comprends pourquoi. Là. Ah oui, t'as Hogan sous la main, c'est sûr que tu y vas avec ton big drill. Là, t'as pas le choix. Exact. Durant une tournée européenne, les Nasty Boys ont été premièrement suspendus en premier lieu et ensuite renvoyés par Vince McMahon. Les Nasty Boys, encore là, dans un show interview, disent que il n'y avait plus de plan pour eux autres à la WWF et qu'ils avaient demandé la permission à Vince McMahon de parler avec la WCW pour le futur de leur carrière. Chose que Vince McMahon a nié, bien sûr. Ce qui se passe dans le bureau du dinosaure reste dans le bureau du dinosaure. Donc, Vince McMahon aurait nié. Les Nasty Boys, eux autres, disent le contraire. Donc, ils ont été renvoyés à cause de ça, puis à cause des petites phrases qu'ils ont faites aussi durant la tournée européenne. Pas juste fait ça. Le dernier match que je me souviens de Nasty Boys à la télévision, c'était un Raw, c'était contre les Edge Shrinkers. Ça avait fini en no contest, et ils avaient brawlé dans l'entrée, puis il y avait des affaires il y avait de la moutarde, il y avait des affaires de bouffe, tout, puis il y avait un gros food fight à la fin. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est vers la fin du mois d'avril, là, je te dirais. Là, c'est un match, là, pour elle, c'est pas l'ambiance. C'est pas un match classique, là, mais c'est un bon match avec deux équipes qui brawlent pas mal, puis la fin est le fun. Là. C'est genre 2-3 semaines après Mania 9, je pense, hein, c'est ça? Hein? Ouais, c'est vraiment pas longtemps après, là, au tapings d'après. Là. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ah, ben, je vais checker ça si jamais je le trouve. Sûrement, je peux le trouver quelque part, de toute façon. Avec le network. Le network, tu peux le avoir, c'est sûr, c'est dans Arrow. Ouais, c'est ça. Exact. Évidemment, les Nasty Boys vont finir par se trouver de la job à WCW parce que, tu sais, je veux dire, t'as deux compagnies, quand ça marche pas avec une, tu vas avec l'autre. Là, ils étaient là avant aussi. Là. Ils étaient là avant, puis, tu sais, depuis qu'ils ont quitté la WCW début des années 90 pour aller à la WWF, ils ont quand même gagné ceinture par équipe, ils ont quand même eu des gros matchs à des gros événements, ils sont devenus des plus grosses stars aussi. Tu sais, dans le monde de la lutte, c'est pas les seules personnes qui ont fait des niaiseries. Fait que tu prends quand même une chance avec des stars, peu importe. Quand t'en as sous la main, t'es signe. Tu sais, quand tu peux faire de la business avec quelqu'un qui a de l'allure, ben, c'est ça. Les deuxièmes, troisièmes chances, ça existe beaucoup. Là. Les Nasty Boys ont été ensuite de WCW de 93 à 97, ou début 97.
Pendant ce temps-là, ils vont remporter 3 fois les championnats par équipe. Et oui, parce que c'est une équipe en demande, c'est une équipe populaire, mais c'est aussi parce que Hogan a beaucoup de poids dans le booking. Et Hogan, qui est un bon ami des Nasty Boys. Surtout Nobbs. Surtout Nobbs. Ouais. Donc, Hogan va mettre tout le poids qu'il a dans la balance pour faire bien paraître ses amis, son ami, les Nasty Boys, et vont remporter les championnats par équipe. Mais je pense que même sans Hogan, aurait quand même pu gagner. Là. C'est pas comme si c'était la division la plus pactée non plus à l'époque. Là. Puis, non, ils évitaient quand même leur chance, mais 3 fois, c'est peut-être charrié un peu. Mais là-dedans, il y a des règnes qui n'ont pas duré très, très longtemps. Leur premier combat de championnat qu'ils ont gagné, c'était contre Roma puis Arn Anderson. Les Horsemen, d'accord. Ouais, à Fall Brawl 93. Donc, vraiment pas longtemps après qu'il ait fait le switch pour jumper à WCW. Okay. Un match quand même correct, là, tu sais, je veux dire, c'est un mélange de styles. Je l'ai écouté le match, un mélange de styles un peu qui. Mais ça se regarde quand même pas pire, là. C'est pas un classique, là, je vous le conseille pas à santé, je veux dire. Vous avez d'autres matchs à regarder avant ça. Là. Oh ouais, non, c'est ça. Fait qu'ils remportent ce combat-là contre Anderson et Roma. Puis une de leurs plus grosses rivalités à la WCW dans ce temps-là, c'était avec contre Cactus Jack et Max Payne. Ouais. Donc, qui étaient en équipe. C'est là leur match que je te disais que le match pris jamais eux deux autres, c'était dans ces petits combats-là. Là. Même que notre couple qu'on a reviewé, des Nasty Boys, depuis des années qu'on fait des reviews de WWE, il y avait ces matchs-là, il y a des matchs contre Army qu'on a reviewé aussi. Mm-hmm. Pour vrai, j'aimais beaucoup ces combats-là avec les Cactus Jack et Max Payne. Puis il y a aussi une série de matchs aussi qu'il y avait eu contre les Public Enemy. Oui, non, mais quand j'étais jeune, là, je les aimais beaucoup Public Enemy parce que il était cool. Ouais. Puis il y a beaucoup de matchs hardcore, des street fights avec Dusty Rhodes au commentaire qui capote. Là, travers, ça, c'est magique. Ouais. Puis non, pour vrai, ils ont fait des bons matchs à WCW par la suite. Là. Ben, les combats hardcore, on dirait que les combats de rue, on va les appeler comme ça, les street fights, c'est les matchs qui fitaient mieux avec les Nasty Boys. Puis je pense qu'à ce moment-là, de ces combats-là, il n'y en avait pas tant. Mais quand les Nasty Boys sont arrivés à WCW puis avec Cactus Jack, on dirait que ça a comme popularisé un peu ce genre de combats-là. Il y en a eu de plus en plus par la suite. Ouais. Des bons combats violents, mais c'est pas tout le monde qui a aimé ces combats-là. Et il y en a un qui ne l'a pas aimé pendant tout, c'est Cactus Jack, lui, Mick Foley, en fait. Ouais. Lui, il n'a pas aimé ça parce qu'il disait sont sloppy, comme je disais au début, ils font pas attention, ils sont pas safe dans le ring, ils font n'importe quoi, ils te protègent pas, ils callent pas les shots. Puis non seulement, c'est pas juste des rumeurs, il l'avait publié aussi dans son livre comme quoi les Nasty Boys, c'était pas des gars qu'il aimait du tout, à l'époque et maintenant non plus. Mais tu sais, en même temps. C'est correct. Tu sais, quand Mick Foley trouve que t'es pas safe, ouais, c'est le gars qui s'arrache les oreilles, puis. le gars qui veut lancer de la NSL, là, ouais, c'est ça. Sauf qu'il ne savait pas que ça. Ouais, mais Léon Nessel, oui, mais il ne savait pas que ça allait tomber par la suite. Là, mais... Non, ouais, ça, c'est une affaire, tu vois, c'est une affaire que je me souvenais pas que. J'avais déjà entendu parler, mais dans mes souvenirs, c'était loin que Foley, puis il n'y avait même pas une Nasty Boys. Donc, ouais. Une affaire que j'ai découvert par la suite. Ouais. Fait que, c'était bien nice. Ils ont eu des bonnes rivalités courtes contre les Harlem Heat aussi. Harlem Heat. Qui a été leur deuxième championnat, si je ne me trompe pas, qui ont gagné sur 3. Ça a duré peut-être en l'espace d'un mois. Là. Ils ont comme fait ils ont donné les belles, puis ils ont redonné les belles à Harlem Heat par la suite. Ouais. Mais des matchs quand même intéressants. Ça aussi, c'est Harlem Heat, c'est quand même des gars de rue. Là. Ils ne veulent pas. C'est ils sont très athlétiques. Ben, Booker T est très athlétique. Puis les deux ensemble, au début, ils étaient plus un peu plus street. Là, fait que ça matchait bien comme style. Comme tu as dit, on a fait un review de ces matchs-là. Puis je pense qu'on avait apprécié à l'époque. Je me souviens pas dans toutes les pay-per-views qu'on a fait d'eux autres, mais il me semble qu'il y en avait un Halloween Havoc. Ouais, puis l'autre, c'était Fall Brawl. Slamboree, oui, c'est ça. Slamboree 96. Ouais, 96, oui. Halloween Havoc, 95, je pense, Halloween Havoc. Puis non, il faisait des bons matchs. Puis c'était des bons babyface aussi, le Nasty Boy, je trouvais, là. T'sais, oui, c'était des bons aussi, mais je trouve qu'il était encore meilleur babyface. Parce qu'il y avait un certain charisme à eux autres que la foule les aimait bien. Puis il y avait un style un peu reckless que la foule aimait bien aussi. Oui. Ouais. Donc, c'est ça.
Donc, Army contre Nasty Boy, ça, c'est... toi, tu as dit Public Enemy tantôt. Oui, c'est Nasty, le combat-là aussi, ouais. Je me souviens de ces combats-là. Nasty, pas Nasty Boy, mais notre Nasty trouverait que tu as raison parce qu'il adorait Public Enemy aussi. C'est plus son style de lutte. Moi, je vous conseille beaucoup comme, contre Artem Heat parce que Artem Heat, c'est, avec les Steiners, là, c'est une des bonnes équipes, surtout à WCW. Là, c'est, si on prend juste WCW, si c'est pas la meilleure équipe, c'est pas loin. Les Horsemen qui étaient très bons aussi, mais Artem Heat sont dans le top. On parle beaucoup de Booker T en single, mais en équipe, il était très solide. Ouais, Booker T, on fait bien des Booker T, mais Stevie Ray, on fait bien des jokes, là, mais il complémentait bien son frère aussi là, pour. Ouais, mais ça prend ça, un tag team, des fois. Là, ouais, c'est... ben c'est calme. Tantôt, tu parlais de Jim Neville Neidhart avec Bret Hart. Ouais, c'est le même genre d'affaire. Là. C'est vrai, pareil. Hein? Mm-hmm. C'est Booker T, c'était le Bret Hart. Exactement. C'est ça. Obviously. Là. Ouais, ouais. Parce que. Personne ne va confondre Stevie Ray avec Bret Hart. Exact. 95 est une période un peu bizarre. Il y a eu, WCW en 95, se cherchait un peu. Ben, c'était plus WCW Hulk Hogan featuring Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. Ou Hulk Hogan featuring WCW plutôt. Exact. Puis ce qui est drôle, c'est que ça arrive à l'époque où ce que les fans commençaient à tourner contre Hogan un peu, qui était vraiment tanné. Tu sais, ça reste Hogan puis il est populaire, mais je pense que son monde acclamait moins Hogan que. Ce qui était avant avec. T'sais, la Hulkamania commençait à s'essouffler pas mal, mettons. Là. On va dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis les Nasty Boys, ben rien pour crier à sa mère. Désolé, Alex. Puis. Rien pour écrire à sa mère, tu veux dire? Ouais, ben crier aussi. Les deux. Ouais, ben, ouais, ça dépend de la relation. Là. Ouais, c'est ça. On parle-moi pas là-dessus à ce soir. Non, non. Calisse. Elle va pas en cours, surtout. Non, c'est ça. Ouais. Oh non. Puis. C'est ça, fait qu'en 96, évidemment, tout le monde sait qu'est-ce qui est arrivé. C'était un des plus gros draws de la lutte professionnelle avec la NWO. On parlait d'Hogan, justement, ben, le second souffle à la carrière d'Hulk Hogan. C'est là que ça s'est passé, un Hulk Hogan méchant. Puis, évidemment, ce qui dit Hulk Hogan méchant dit NWO. Ce qui dit NWO dit le roster de la WCW au complet ou presque. Ça fait pas... Les Nasty Boys ne sont pas exclus de ça. Évidemment, les chums d'Hogan, les Nasty Boys vont se retrouver avec le Black and White. Après ça, il y a eu la séparation du Black and White, il y a eu la Wolfpack, il y a eu les Outsiders avec les couleurs rouges. Ouais, mais les Nasty Boys n'étaient pas là-dedans quand ils ont fait le... Non, c'était plus les amis de la NWO. Là, parce que leur séjour à la NWO a duré genre 2 semaines. Ouais, mais ils ont eu le chandail. Là, parce qu'Hogan leur a donné le chandail. Là. À un moment donné, il y avait des... NWO était dans la chambre d'hôtel, puis Nasty Boys était avec eux autres en train de faire la party, puis tout. Ouais. Il y avait une semaine ou deux, puis après ça, il y avait une chaîne de NWO au Nasty Boys, puis ils ont pété après. Ils ont-tu pété après? Oui, ça a duré. Ils ont été dans NWO peut-être 2 semaines. Je pensais... Tu sais, dans les documents que j'avais, c'est que je pensais que c'était la NWO qui les avait envoyés contre les Outsiders après, mais c'était vraiment juste en tag team division après. Là. Ben, dans le fond, comme je t'ai dit, il était à l'hôtel en train de faire la party avec eux autres. Puis la semaine d'après, ben, il avait donné le chandail de la NWO, puis ils ont pété après parce que les Nasty Boys voulaient joindre la NWO. Mais la NWO, dans le fond, ils les a utilisés pour faire la party, mais après ça, ils s'en ont débarrassés. C'est un peu câble, mais... Ouais. Ben, il avait fait pareil aussi avec Beefcake un moment donné. Là. Il voulait joindre la NWO. Il avait donné le gâteau de fête à Hulk Hogan après qu'il ait battu le géant. Mm-hmm. Puis ils l'ont pété, ils l'ont pas pris. Fait que, il faisait ça des fois avec les chums de Hogan. Le pire, c'est que Beefcake avec, mettons, les Nasty Boys puis peut-être un autre gars, ça aurait fait une bonne faction, je trouve. Non? Je pense pas, là. C'est qui l'autre gars? Ça dépend c'est qui l'autre gars. Ben, ça te prendrait un gars genre qu'un peu plus de... Prestige, mettons. Lex Luger, genre? Ah! Mais Luger, il n'a pas un bon micro. Là. Non, c'était une joke, là, que tu me dises hier, Lex Luger. Quoi qu'il se mette, ouais. Non, mais je pense pas que... N'importe quelle faction avec Briefcake, là, moi, je te disais que non. Là. Tu l'aimes pas, Briefcake, toi, hein? Ah, il est poche aussi. Ouais. La seule affaire qu'il y a, c'est Johnny V quand il était avec lui dans le temps. Ouais, fait qu'on va aller tout de suite dans la rivalité, dans la rivalité. C'est pas une rivalité, c'est plus un match. Là. Ça aurait pu devenir une rivalité. C'est devenu une rivalité, mais pas dans le ring, dans la vraie vie. Un match entre les Outsiders et les Nasty Boys, fin des années 96, début des années 97. Un match de lutte
qui est devenu un brawl, un vrai fight, dans le fond, parce que les Nasty Boys, eux autres, pensaient que... Ben, en fait, c'est pas vraiment ça, mais c'est la réalité, des fois, que la fiction. La fois, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un match entre les deux, puis ça a fini en vraie bataille. Mais pourquoi ça a fini en vraie bataille? C'est que Jerry Sags avait reçu... pensait qu'il avait reçu une chaise sur la tête, apparemment. Blindsided, là, c'est comme quelqu'un qui lance... Comme je t'ai fait avec l'échelle, dans le fond, dans un match. Comme t'as DBSA avec le cooler, avec Triple H. Exact. Il a reçu sa tête, l'a pas pris, s'en est pris à Scott, l'a assommé sur une table des commentateurs, il a compressé la face, il l'a frappé, il saignait, il avait les gencives pleines de sang, il était en sang, puis tout. Dans la vraie version, apparemment que, finalement... c'était une ceinture que Kevin Nash avait lancée sur la tête de Sags. En partant, c'était pas le bon gars, puis c'était pas le bon objet non plus. Une chaise et une ceinture, me semble que tu le sens. C'est pas la même affaire pendant tout. Là. Ben, c'est pas un morceau. Ouais, un morceau de métal, j'avoue que ça. Ouais. Mais tout ça qui est arrivé, c'est que il s'est fait. Il est allé pour lui-même. Il s'est fait business pour lui-même, comme on dit, dans le milieu. Puis évidemment, ça se fait pas. Ça, c'est devenu un vrai fight dans le ring entre Scott Hall et Sags. Et. Arrivé backstage, ben Kevin Nash voyait noir, évidemment, c'est son ami. Puis il a pris le bat de baseball, puis il a couru après Sags puis Nobbs. Il voulait vraiment les tuer. Puis Scott Hall, que lui, il a stoppé le fight, puis il a dit « ça sert à rien, no ways, il va jamais avouer que c'est lui, il pense que... » En plus, il comprendra pas, c'est un câble. Fais pas ça. Puis, il y a deux versions différentes. Il y a la version de Nash qui dit que Sags, ben, en fait, il y a Nobbs qui lui dit qu'il a toujours été des bons amis avec Scott Hall depuis le temps de la AWA, comme je parlais au début de la biographie. Il dit que Kevin Nash, ils n'ont jamais rien eu contre lui, c'est un bon gars, puis il n'y a jamais eu d'histoire qui s'est passée comme ça. Puis il y a Kevin Nash qui lui raconte l'histoire qu'il voulait les tuer, puis on fait passer à Scott Hall, puis tout. Puis en plus, Sags, lui, il dit de toute façon, peu importe quelle histoire est vraie, ça change rien parce que le Booker, dans ce temps-là, c'était Kevin Nash, puis c'est pas mal lui qui décidait tout ce qui se passait. Fait. Ouais. On n'avait aucune chance de s'en sortir. Puis apparemment que Bischoff voulait les renvoyer sur le spot directement, là, les Nasty Boys, pour avoir fait ça. Puis que je pense que c'est Hall, encore une fois, qui a dit « Ben non, on va laisser ça faire. » Hall, c'est pas mal le meilleur des... Mettons, entre Kevin Nash et Scholar, je pense que le meilleur des deux, c'est Hall, là, comme personne. Même malgré tous les problèmes qu'il y a eu, je pense que s'il n'y avait pas eu ces problèmes de drogue et d'alcool, je pense que Hall est une meilleure personne que Kevin Nash. Là. Je ne connais pas personnellement, mais ce que j'entends, en ce cas. Là. Je pense que Kevin Nash était plus aimé des gars backstage que Scott Hall. Là. Pour vrai? Oui. Ben, parce que Kevin Nash, il était cool. Là, il était genre, il faisait des jokes, il était bien chum avec tout le monde. Mm-hmm. En tout cas, à ce que je sache, là, peut-être on n'était pas là, donc je ne peux pas vraiment vous dire officiellement que c'est ça, je pense pas que les deux étaient haïs bien, là. À part peut-être un peu de jalousie des autres, là, peut-être. Ouais, parce que tu te bookes. Comme n'importe quel promoteur qui se book au bout. T'as des contrats, t'as des gros contrats, tu peux faire ce que tu veux pratiquement, tu sais. Tu mets fin à la streak de Goldberg, tu te mets champion. Ouais. Dans un très beau moment. Ouais, pas longtemps après, évidemment, les Nasty Boys ont été renvoyés. Puis. Tu sais, c'est dommage parce que ces gars-là dégageaient tellement de... Tu sais, pas nécessairement de positif, mais il y a ces personnes indifférentes. Tu sais, j'ai compare, là, ça va être boiteux comme comparaison, mais tu sais, TDT au Québec. OK, ouais. Tu sais, je pense que, mettons, si je pense que Saint-Jacques puis Dubois sont meilleurs que Nasty Boys comme lutteur, mettons. Là. Ben oui, là, ça oui. Puis Dubois, je trouve que Dubois est meilleur que Saint-Jacques comme lutteur. Je trouve que Saint-Jacques est meilleur que Dubois comme avec le micro. Mais, tu sais, quand il rentre, tu sais jamais si TDT... Oui, tu sais qu'il joue un personnage, mais il pourrait pas jouer un personnage aussi, puis ça fait la même chose, tu comprends? Oh ouais. Puis les Nasty Boys, c'est ce genre de truc-là. Le kayfabe peut être joué par ces gars-là. On y croit, c'est ce que j'aime de ça. Tu sais jamais. Fait que pour ce petite comparaison boiteuse, mais je trouvais que... Non, je vois ce que tu veux dire par cette comparaison-là. Puis... Tu sais, c'est pretty much it pour les Nasty Boys pour leur carrière après parce qu'ils ont fait une run, sont retournés à TNA comme à peu près tout le monde, toutes les légendes après. En 2010, ils ont affronté Team 3D dans un match en 2010. Tu savais de ça? Ouais, mais il y avait. Ils ont battu en plus.
avec Jimmy Hart, avec le même finish que WrestleMania 7, avec le casse, là, Puis on gagne, Nasty c'est ça. Nasty IM, là. Ouais. Ouais. Puis, ils sont pas restés longtemps, les Nasty Boys à TNA, parce qu'ils se sont fait renvoyer. Puis, tu sais-tu à cause de quoi ils se sont fait renvoyer? Tu te souviens-tu? Non, parce qu'Owen était parti. Ça peut être une bonne raison, mais non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont allés dans un party de Spike TV, parce que Spike Spike diffusait TNA à l'époque. Ils étaient complètement défoncés, puis se sont pris au monde de Spike, puis ils ont fait les caves, puis ils ont été renvoyés à cause de ça par après. Classique. Et avant de boucler la boucle, Peux-tu rajouter deux petites affaires? Ah, vas-y. Ta boucle, garde-la d'une main et attends pour l'autre. Quand Sags est parti en 97. J'ai oublié de le dire. Après l'incident avec Scott Hall et Kevin Nash. C'est Sags qui est parti, l'autre est resté, c'est ça? Ouais, mais Sags il était blessé, je pense. Il a pris une retraite. Ce qui était sûrement à cause de ce qui s'est passé dans ce combat-là, j'imagine. Puis Nobbs était resté à l'OMCW, puis il était dans la division hardcore, puis il faisait beaucoup de matchs, là, évidemment, avec les Bam Bam Bigelow, les Sandman, les Fit Finlay, les Norman Smiley. Et fait que non, c'était vraiment. Moi, j'aimais bien ça, la division hardcore, la OMCW, parce que. Ouais, genre, était bonne, pareil. Mais j'ai toujours été fan de la hardcore division WWF aussi, là, les deux. Là, parce que c'est le fun, parce que ça donne une chance aux gars qui sont pas vraiment très bons dans le ring, genre côté lutte. Catch-as-catch-can, mettons, là, de faire des matchs intéressants puis divertissants, puis c'était toujours souvent drôle qu'est-ce qui se passait. Puis je trouvais ça cool que Nas fasse ça quand il n'y a pas eu grand succès, parti. Par exemple. Il a quand même eu le championnat deux, trois fois, à peu près. Ouais, mais que tout le monde a gagné le championnat hardcore. Là. Un peu moins WCW que WBF, je te dirais, là. Mais quand même. Puis aussi, il y avait eu en 2007, je sais que mon... Ah, vas-y, c'est correct. Des notes que j'ai prises moi-même aussi. Ouais, vas-y. Puis ouais, il y avait eu un match en 2007 à les tapings de SmackDown avant le show. Ah oui, je l'avais sur le il y avait un match contre... c'est bizarre. Ben, Dave Taylor. Ouais, puis Drew McIntyre, en tant que c'était un jeune cluck dans le business. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait eu un match, ça a l'air que le match était dégueulasse, puis la séance était ultra stiff avec Drew McIntyre, puis tout ça. Puis ils ont gagné le match, c'est juste Nasty Boys. Puis après ça, ben, ils ont dit, on laisse faire le gars, retournez chez vous, on ne veut pas vous suivre. Ouais, mais c'est ça, Je l'avais marqué, mais j'en avais pas parlé, mais tu as raison d'en parler parce que aussi, eux autres sont arrivés là comme si c'était mettons les number one contenders pour le tag team titles. Là, ils pensaient qu'eux autres qui étaient encore dans le game. Puis c'était un dark match, là, dans le fond. Oh ouais, c'était un match avant gala. Là, puis, c'est ça. Fait que ils sont arrivés là avec une attitude de on est les Nasty Boys puis on est les meilleurs. Mais, en 2007 en plus, là. C'est ça. Exact. Fait que non, t'as bien fait d'en parler de ça. Puis contre Drew McIntyre, c'est toujours intéressant en plus parce que Drew a quand même un long chemin qui est mené à ce qu'il est aujourd'hui la Megastar qui est. Je pensais jamais dire ça un jour, mais oui. Ben oui, Megastar, oui. Ah ben c'est ça, mais je pensais jamais dire que Drew McIntyre, c'est une Megastar, mais quand je le dis, je trouve pas ça bizarre. Je l'assume. T'es-tu encore comme Dave là, qui voit encore le gars de 3MB, là? Non. J'espère que non, là. Non, puis tu sais, Dave, il disait tout le temps, j'espère qu'ils l'échapperont pas. Ils l'ont peut-être un petit peu échappé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas World Champion? Un petit peu. Mais ça ne me dérange pas. Là. Ça me dérange pas parce que tout ce qu'il a fait par après, c'était bon. Ouais. Moi, je suis pas d'accord qu'ils l'ont échappé. Là. Je trouve que c'est un gars qui est tout le temps bien booké, là, à mon avis. Ouais. Non. Mais tu sais. Pas parce qu'il n'est pas World Champion automatiquement, il est échappé. Là. La seule chose qui est plate pour lui, c'est qu'il n'a pas été champion devant une foule. C'est tout. Ouais, c'est un peu. Mais circonstances, c'est. Ouais, mais un coup que le boulet va dropper à belt, ça va être plus facile pour avoir des champions. Là. Ouais, j'ai hâte que Bree soit champion. Ouais, ça va pas bien pour lui. En tout cas, c'est internet, j'arrête de lire parce que je me fâche. Ben ouais, tu vas écrire tout le monde. Non, faut pas que je commence ça. C'est déjà un problème. Non. Puis c'est ça. Fait que bon point que tu as rajouté, c'est excellent. Puis au début, je vous ai parlé de Ken Shamrock. Ken Shamrock et les Nasty Boys se sont rencontrés à l'aéroport, quelque part en 2000, j'ai pas la date précise, mais un peu après 2010. Là. Je pense que c'est 2010-2011. Ouais. Fin 2010, début 2011, à l'aéroport. Puis évidemment, ils sont pas restés amis depuis ce temps-là. Ils étaient pas restés amis. Fait qu'une autre altercation
surgit à l'aéroport entre Sags et Ken Shamrock. Donc, c'est juste pour rajouter un peu à ce qu'ils avaient déjà dit sur le sujet. Donc, Ken Shamrock et Nasty Boys, elle n'a pas invité au même party. Les Nasty Boys, est-ce qu'ils sont dans le Hall of Fame? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Je le saurais, je pense. OK. Avec Hogan, non? Qui a introduit, ça se peut-tu? Non, putain, je pense pas. Peut-être. Ça me dit rien, vite demain. J'ai même pas dans mes notes. Non, ils sont pas là. Va checker. Check donc, ouais. Ben oui. Mais en checkant ça, je te pose une question en même temps. Est-ce que t'aimes mieux les Nasty Boys WCW ou WWF? Ben, j'ai plus vu WWF quand j'étais plus jeune, fait que je dirais WWF, là. Mais il n'y a pas de grande différence entre les deux, là, pour être bien franc, toi, là. Côté Nasty Boys en tant que tel, il n'y a pas grand, y a aucune différence entre les deux fédérations, là. Ils ont gagné un peu plus de championnat à WCW, mais en même temps, ils ont été le plus longtemps, fait que c'est normal. Ouais, exactement. Mais non, 10 ans total. Là, ouais, moi, je te dirais que je vais plus aimer WWF, mais je n'ai pas de préférence si grande que ça entre les deux. Là. Plus encadré, WWF. Art Foundation, Money Inc., pas mal leur gros match. À WCW, il ne faut pas oublier la première run contre les Steiners. Art of Heat. Public Enemy, Cactus Jack, puis Max Payne aussi. Il y avait un autre tag team aussi avec Cactus Jack après Max Payne. C'était qui l'autre? Il était pas avec Kevin Sullivan? Kevin Sullivan, oui, parce qu'ils ont battu Kevin Sullivan, les Nasty Boys. C'est ça le troisième que je cherchais. Ils ont battu Cactus Jack, Kevin Sullivan, parce que Kevin Sullivan était blessé. Fait qu'il avait droppé la belt aux Nasty Boys, Jax, puis Sullivan. Puis, ou c'est le contraire, il me semble, un des deux. Je pense que c'est le contraire. C'est Sullivan puis Jack qui avaient gagné. Puis après ça, Sullivan était blessé. Puis ils ont droppé à belt Jack puis Sullivan à une autre équipe. Donc, non, ils sont pas dans le fame. Ils sont pas dans le fame et je pense pas qu'ils vont l'être non plus. Ben, moi, je pense pas qu'ils pourraient pas l'être non plus. C'est les chums d'Hogan. Puis Hogan est encore en affaire avec la WWF. À un moment donné, ça va arriver. Là. Ouais, c'est sûr que si tu regardes tout le monde qui était dans le Hall of Fame, il mérite d'être là. Mais justement, je sais pas si c'est ça un fake report, ce que j'ai vu dans la première inductée de Hall of Fame. C'est-tu vraiment vrai, ça? Cette année? Ouais, c'est que c'est... Batista... Non, j'ai vu Stacy Keebler, moi. Ah, je sais pas, j'ai pas vu ça passer. J'ai vu ça passer, je sais pas. Genre, j'ai vu WB le partager, fait que je sais pas si c'est vraiment si c'est un fake report, là. Mais en même temps, c'est correct, là. Story Wilson est là, Stacy Keebler est là. Non, je suis un Wilson. Quand tu devais la grippe en 2006, automatiquement, il faut que. Son plus grand fait d'arme, c'était de sortir avec Billy Kidman. Je suis pas d'accord. Son plus grand fait d'arme, c'était d'être joli. Okay? Bon. Parfait. Ben, c'est ce qui fait un peu le tour des Nasty Boys. Depuis ce temps-là, ben, ils font beaucoup de conventions, hein, évidemment. Ben, ça, le noble était malade récemment. Là. Il était pas vraiment passé proche de mourir. Là. Pour vrai? Ben oui, il était à l'hôpital, il était sur respirateur cardiaque. Pis tout, oh pis, shit! Ça fait quand même pas longtemps, peut-être même pas un an là, de ça. Mm-hmm. Puis, ben ouais, maintenant, je sais pas si tu sais, dans le match de Ric Flair, là, il y avait la convention avec les podcasts qu'il y avait. Il y avait le Rose de Ric Flair, puis il en avait parlé beaucoup, qu'il était très malade. Il y avait là, encore son tube, je pense, dans ce temps-là. Puis tout. Puis non, il n'est pas vraiment passé proche de mourir. Puis c'est rare, souvent on parle des biographies, puis on dit, ah, malheureusement, telle personne est décédée. Mais les deux sont encore vivants. Évidemment, on peut pas rien garantir de nos jours. Là. Je ne peux pas rien garantir que le podcast va sortir. Je ne veux pas gêner personne non plus, là, parce que des fois, c'est ça qui arrive. Là, tu parles de quelque chose, puis deux jours plus tard, ah, mais cette personne-là, il est arrivé quelque chose, puis tabarnou, c'est de ma faute. Mais non, c'est le fun que les deux sont encore vivants. Puis. Puis là, je sais que tu vas pouvoir me poser la question. Sont-tu top quelque chose dans le chiquet de la lutte? Non, c'est pas ça que je voulais te dire, parce que les Nasty Boys, je pense pas qu'ils soient dans le top de rien. Je pense que c'est une bonne équipe. Ben, une bonne équipe. Je pense que c'est une équipe que tu peux bâtir. C'est sûr que la réputation est tough, là, mais c'est une bonne équipe que tu peux faire travailler pour des bonnes storylines. Mais ce que j'allais te dire, c'est contre qui tu aurais aimé voir, mettons, les Nasty Boys contre une équipe moderne? Mettons les Nasty Boys dans leur prime. Mettons Nasty Boys 94, 93 contre une très bonne équipe moderne contre qui t'aurais aimé voir ou un match que t'as jamais vu des Nasty Boys contre quelle équipe t'émettrais. Mettons, tu peux booker n'importe qui. Là. Mais c'est drôle en ce moment, là, tu vas me dire ça. Puis on a parlé il n'y a pas longtemps là, du Dark Match qu'il y avait eu au SmackDown Tapings là, de 2007 avec Andrew et Dave Taylor. Là.
Mais contre Drew et Sheamus, ça pourrait être popé aussi. Ça pourrait être un banger, évidemment. Un hard hitting, ouais. Hein? Ouais, ben, comme le premier team dans la tête d'eux autres, là, peut-être qu'il y a d'autres teams de leur prime. Il y en a beaucoup, les tag teams. Là. Mais non, je vais dire Drew et Sheamus. Un excellent choix, je pense. Ouais. Tu peux pas faire petit, peu ici. Viking Raiders aussi, c'est le même genre de lutteur qu'eux autres, à mon avis. Là. Un peu meilleur. Viking Raiders, ils me font ni chaud ni froid. Ils ont comme, rien. Comme, je sais pas. Viking Raiders, je sais pas. Ben, c'est l'autre pas savoir, des fois. C'est ça qui est le fun de découvrir des nouvelles affaires. Hein. Ben, moi, je vais pas faire mon têteux, mais contre TDT, j'aurais aimé ça. Ah, ben ouais, c'est correct. Imagine, tu sais, on fabule, là. TDT contre Nasty Boys à Battle War. Ouais. Ce serait cool. Ce serait le genre de match, là, tu sais. Ah, c'est ça. C'est un tag team qui laisse personne indifférent. Je pense qu'ils ont leur place. Je trouve ça dommage, tout ce qu'ils ont fait, mais ça fait partie un peu de leur histoire. Ça fait partie de leur legacy, si on veut. Ouais. Puis, on en parle aujourd'hui. Pas juste parce qu'il faut faire des bio, parce que je pense que c'est une équipe qui mérite d'être parlée pour plein de raisons. On a parlé beaucoup plus des phrases que des bons matchs puis des bonnes histoires, mais tu sais, ils ont quand même leur importance dans le monde de la lutte. Puis, mettons, sont dans une convention, je serais pas fâché de voir les Nasty Boys puis de leur serrer la main. Puis, ouais, on prend des photos avec, ben oui, c'est sûr. Mais oui, c'est ça. Ils font partie de l'histoire. Puis, non, comme tu dis, moi aussi, je pense que mon meilleur run des autres, parce que j'écoutais plus la WWF, je pense que 93, pas 93, mais 80. 11 à 93, meilleur run des Nasty Boys. Contre Money Inc., évidemment, un peu dur de jouer contre ça. Mais c'est ce qui fait le tour de cette équipe peu commune. On en plus conventionnelle. Plus conventionnelle, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, mon cher jeune homme. On n'en voit plus d'équipe de même, par exemple. Hein? Vraiment, là, des équipes un peu... qui font les manchettes pour les mauvaises raisons, mais que tu veux les booker parce que c'est quand même des gars que tu veux avoir sur ta carte. Tu sais, on n'en voit pas. C'est plus le même, Master. On dirait que non, c'est plus droit, mettons. Ouais, c'est plus. Ouais, je comprends, mais ouais, je te dirais que oui. OK, parfait. Donc, c'est tout. C'est ce qui met fin à cette biographie sur les Nasty Boys. J'espère que vous avez aimé tout ce que vous avez appris. Si vous ne connaissez pas déjà les histoires, allez voir les matchs des Nasty Boys, allez encourager. Tu n'as pas de suggestions que tu fais d'habitude, non? Ben, j'en ai dit beaucoup pendant le show. Puis, j'ai pas de top 10 des Nasty Boys, honnêtement. Là, Public Enemy, toi, t'en as donné. Artem Heat, très bon. Les matchs contre Cactus Jack, Max Payne, à voir parce que c'était pas révolutionnaire, mais ça, ça ouvrait le chemin à ce genre de match, surtout en tag team. Et tourner nos tags de même, ouais. WrestleMania 7, allez voir ça. Puis, non, c'est ça. Puis, évidemment, si vous cherchez, mettons, des Raw, il y a peut-être des matchs ou des Saturday Night Main Event qui va. C'était-tu le Saturday Night Main Event en 80? Ouais, il y a des matchs qui peuvent sortir un peu du lot. Ben, il y a un match Saturday Night Main Event que je me rappelle d'eux autres, c'était contre Hogan et Warrior, mais contre Macho Man Warrior. Ah, OK, Macho Man Warrior. Wow. Ouais. Oh. Puis aussi le match avec Warrior, là, la fin de Papa Shango, là, le genre de curse, là, Claudia Vomi, ben, contre les Nasty Boys, c'était contre Nobs. Fait que... Bon, tu vois. C'était à cassette, il y avait ce match-là. Là. Ah, c'est vrai, la maudite cassette, faudrait que je l'achète. Mais là, au marché plus demain. Bon, tu me pognes Rogan. Il est plus là, la dernière fois, il était plus là. Ah, oh, fuck. C'est pas grave, j'ai fait une belle acquisition que je vais montrer bientôt en deux collections de VHS. Parfait. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. La prochaine biographie, on ne vous le dit pas tout de suite parce qu'il y a encore beaucoup de stock avant le mois d'avril. Donc, il faut savoir vraiment si c'est celle-là. Là. Ouais, aussi, il faut se parler. Ouais, il faut se parler. Mais ça risque d'être ça. Mais peut-être que je vais changer aussi. J'ai une autre idée en tête. On verra. Parce que si c'est la personne que je pense, on devrait peut-être plus attendre que ce soit un peu plus beau et chaud. Non, c'est pas cette personne-là. Ah, c'est pas ça, mais parfait. OK. Puis, sinon, ben, continuez de nous encourager sur les réseaux sociaux, Patreon, 3$, 5$. Le concours aussi pour aller voir Raymond Rougeau et Demolition en personne. Si vous participez au concours et vous gagnez, vous avez un accès gratuit à ces légendes de la lutte-là, puis aux deux autres légendes de la lutte qui est TJ et Marco.
Pour poser des questions comme Bernard, si vous voulez aussi. Tu sais, si vous n'avez pas d'argent pour Patreon, ben, liker, partager, ça fait aussi l'affaire. Là. C'est... Nous autres, on a une passion, on la montre, puis ça coûte rien d'encourager le monde passionné. Parlez-en en mal. Non, je pourrais. Parlez-en juste en bien, parce qu'il n'y a rien à parler en mal de nous autres. On est clean, clean, clean. Mais non, on fait notre possible. Nous autres, là on est cool. En tout cas. Ouais, on essaie. Fait que sinon... Souvent, quelqu'un qui est cool, il ne l'est pas d'habitude. Exact. WrestleMania Season, 3 WrestleMania, plus le WrestleMania de cette année. Et évidemment, on va être dans deux shows québécois au mois de mars. On va avoir des petits vlogs, des photos, des vidéos qui vont sortir bientôt. On ne vous en dit pas plus parce qu'on attend que ça soit fait. Mais il y a des petites affaires qui se trament. Puis, c'est ça. Je vous remercie TJ pour m'avoir accompagné. C'était bien cool. Toujours son era. Hein. C'est tout ce qui est Golden Era, puis c'est en ce temps-là, un très, très bon complément. Donc, yes. Merci TJ. Je te laisse le mot de la fin. Oui, évidemment, comme tu as dit, allez voir Patreon, encouragez-nous. Puis là, je sais pas, votre beau travail aussi, vous faites des belles affaires, on le sait déjà, sans même savoir c'est quoi. OK. Merci beaucoup, Marco. Et on se voit la semaine prochaine pour un WrestleMania 7 Review. On est là, Road to WrestleMania, avec le prochain champion, Undisputed, Indisputable, Cody Rhodes. Pas fait. Oh, ouais, c'est ça. Mais en attendant, allez-y.